Sidrissi, donc cet espace était l'exposition de la Casbah. Effectivement. Comment est venue l'idée de le transformer en musée? L'idée de transformer cet espace en musée existe depuis toujours, parce qu'il il faisait partie intégrante, et il fait partie intégrante du complexe muséal du palais Dar al-Makhzen de Casbah de Tanger. Mais il y avait toujours l'hésitation, parce qu'il n'y avait pas assez de moyens pour pouvoir le restaurer. Il n'y avait pas un projet qui permettait de le concrétiser, etc. Depuis quelques ans, mm-hmm. quelques années, la rénovation de Casbah a pris un rythme assez accéléré. Assez exactement. Et donc, dans le cadre de ce projet, il y a eu une convention signée entre la Fondation nationale des musées, la Wilaya de Tanger, la PDN et le ministère de la Culture, donc, qui permettait à la fois de restaurer cet espace, de le réhabiliter au musée et de créer la connexion entre cet espace et le musée de Casbah. De Tanger d'un côté, le musée de Casbah de la culture méditerranéenne, et aussi avec la Villa Harris oui. qui a été restaurée dans le même cadre. D'accord. Mais qui a été réhabilitée dans le même cadre. Mais est-ce que la restauration elle a été faite selon des normes bien spéciales pour devenir Alors, un musée? C'est la restauration. On est dans un monument historique déjà. Donc il y a toujours des contraintes qui sont liées au monument historique. L'accessibilité est parfois difficile. Donc il y a eu l'insertion d'un certain nombre d'éléments qui permettaient de faciliter le fonctionnement de l'espace en tant que musée. Et il y a eu aussi l'adaptation de nos besoins à la réalité du bâtiment. Donc il y a eu un compromis, on va dire, qui permettait à la fois d'assainir l'espace, de faire de l'assainissement, de faire une consolidation de l'espace existant sans faire une grande modification. On est dans la restauration, on n'est pas dans un espace qui se prête à être modifié. Donc on est dans un monument historique. Donc il fallait respecter l'authenticité de ce bâtiment tout en étant capable de le réhabiliter en espace muséal. Et donc la difficulté existe bien évidemment dans le fait de trouver l'équilibre entre les deux. Et je pense qu'aujourd'hui, on est content du résultat parce que l'espace répond aux normes d'exposition et l'espace va permettre, bien évidemment, de fidéliser le public avec l'espace de Casbah en général parce que c'est un espace modulable, c'est un espace qui va permettre de faire venir des expositions, des grandes expositions. Et ça va bien évidemment animer le Casbah qui est doté déjà d'un musée historique, d'un musée d'archéologie. Donc les deux, je pense, avec l'espace de Villa Harris, vont permettre d'avoir une offre muséale de qualité dans la ville de Tanger. D'accord. Vous avez choisi de faire cette inauguration avec des peintres très connus du Nord. Est-ce que ce choix s'est fait selon des critères et des normes? Comment Alors, s'est fait ce choix-là? Le choix, en fait, était tout simplement de rendre hommage à l'école du Nord. L'école du Nord dans le sens large du terme, c'est-à-dire pas forcément l'école physique, mm-hmm. mais l'école du Nord à la fois dans le sens école de formation, école académique, mais aussi l'école dans le sens des rencontres que les artistes du Nord ont pu développer avec les artistes européens. Mm-hmm. Et ça a permis bien évidemment de contribuer à la genèse de l'art marocain dans son intégralité. Le rôle qu'avait joué cette partie du Nord dans l'expansion de l'art au Maroc et en même temps, quelles sont les transformations qu'a subies l'école de Tétouan durant son parcours pour devenir une école contemporaine. Donc, il a commencé par être une école classique et maintenant, il est une école beaucoup plus ouverte sur l'expérimentation, etc. Donc, c'était ça le défi. Et en même temps, ça a permis de mettre en évidence deux noms, deux artistes, donc Chfej, Saad Ben Chfej d'un côté, et Si Mohamed Fakir Gregui, l'un de Tétouan et l'autre de Tanger, avec des parcours qui sont diamétralement opposés, mais les deux ont contribué à former des gens, les deux ont contribué à développer la scène artistique, que ce soit nationale ou locale, même internationale. Bien sûr.
Dans ce musée, il y a un espace multimédia. L'espace multimédia, en fait, permettait aussi de montrer les autres médiums. Donc, on n'est pas seulement en train d'exposer la sculpture ou la peinture, mais on peut aussi exposer des artistes contemporains, des artistes qui travaillent de plus en plus sur la dimension multimédia. Donc, on a proposé des noms d'artistes qui sont présents sur la scène marocaine et la scène internationale. Younes Rahmoun, Safa Arouas, Mohamed Arjdal, Saïd Afifi et j'en passe. Donc, ce sont des artistes qui travaillent sur plusieurs types de médiums. Donc là, on a proposé de les insérer dans les projections ou dans les œuvres multimédia pour montrer aussi les autres facettes de l'expression artistique chez les artistes marocains. Madame Isabelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'instigatrice de cette scénographie, de cette très belle scénographie. Comment vous avez fait pour, comment vous avez procédé pour la faire ? On a récupéré ce bâtiment qui a été déjà dans un premier temps restauré. Et donc, comme vous le savez, c'est cette ancienne prison avec ses voûtes et ses murs. Et l'idée, c'était de garder la beauté du bâtiment. En tant que scénographe, il fallait créer un espace d'exposition temporaire, c'est-à-dire qui va évoluer au fil des collections. Là, on démarre avec l'école du Nord, mais on peut très bien bifurquer sur des collections de costumes ou sur d'autres choses. Donc, il fallait vraiment créer des contenants qui pouvaient s'adapter à tout contenu. Oui, voilà. Oui. Mais avec un petit recul, êtes-vous satisfaite de ce que vous avez fait ? C'est magnifique. C'est au niveau du choix du sol, au niveau du choix des simèzes, on a essayé d'être beaucoup plus sobre au niveau des couleurs que dans Villa Aris. C'est vrai qu'on a essayé d'en faire, même si c'est un endroit qui est dur, qui est difficile. Même en travaillant, on travaille dans une ancienne prison. On a essayé de le rendre beau et chaleureux au niveau même du ton du crème, de l'entrée, etc. D'accord. Vous avez travaillé avec des artistes de grande notoriété qui sont très, très connus au Maroc et ailleurs d'ailleurs. Quand vous étiez en train de faire cette scénographie, est-ce qu'il y a eu des préférences ? Comment ça se passe chez vous ? Alors, en général, quand on travaille sur ce genre de projet, on ne sait pratiquement pas au début quel va être le contenu. On s'approprie l'espace, il faut l'aimer, il faut que l'espace a une âme. Et petit à petit, on est guidé pour transformer cet espace. Et surtout, ma devise, c'est ne jamais l'abîmer. Donc j'essaye toujours de trouver des supports qui vont l'embellir, mais en ne trahissant pas le lieu et son histoire.